En espagnol, il y a deux mots qui causent un peu de confusion et nous utilisons dans nos conversations. Et bien, deux mots ça aussi, cuánto et cuando. Cuánto lui-même, il veut dire combien. Cuando lui-même, il veut dire qui est. Le réseau qui fait venir avec thème ça pour nous aujourd'hui là, c'est parce que et avant elle a fait un cours espagnol pour une famille coréenne. Et puis pendant ta meilleure conversation, moi j'ai confondu mot ça en pile. Et puis me dit si yo même c'est débutant ou commettre erreur dans mot ça comme ça. De même pour nous, nous capable commettre erreur ça tout, bon venir avec thème ça pour nous aujourd'hui là. On nous commence une fois avec cuánto. Cuánto se usa para pregunta o exclamación de cantidad. Nous utilisons cuánto pour nous poser question et tout nous qu'on utilise dans phrase exclamative. Par exemple, cuánto cuesta este libro? Combien de livres ça a coûté? Si nous avons bien là, nous avons toujours dit là, cuánto lui-même lui veut dire combien. Mais là, nous utilisons la phrase interrogative, ça veut dire nous utilisons pour poser question. Bambay nous exemple qu'on y a, là, nous capable utiliser cuánto dans une phrase exclamative. Par exemple, cuánto te extraño? Nous utilisons la phrase ça, c'est les gens qui nous appellent. Par exemple, nous n'avons pas vivre à côté de nous, nous n'avons pas vivre avec nous encore. Nous songer comme ça marque nous appelle nous capable d'utiliser phrase ça pour lui en pense ça lui même clair qu'on y a là en noir les noms quando si vous comprenez ça qu'a fait là qui était un green like pour moi en noir les noms quando qu'on y a là quando lui même lui veut dire qu'il est très important pour nous prononcer finissement chaque mot ça quanto et quando parce que c'est la confusion dans finissement on ne pas bien prononcer yo exemple avec quando quando empieza la classe. Qui la classe là a commencé? Bon, ça lui-même l'écran, nous avons encore capable d'utiliser ça pour nous poser des questions. On va aller dans la phrase exclamative qu'on y a là. Quand tendremos paz en esta casa? Qui la paix dans la casa? Si nous avons bien appris là, nous avons utilisé le pas seulement pour question, nous avons utilisé le tout dans la phrase exclamative. Yo. Ça fait changer un commentaire de oui, pendant que je mets l'accent en Jean-Noël là dans une phrase. Si vous avez écrit un commentaire, les femmes qu'on est, moi, je dois seulement utiliser leur accent si elles me posent des questions. Je ne compte pas le temps parce que moi-même, tout, moi, je suis commis erreur ça. Moi, je viens de suspendre commettre erreur ça, c'est là que j'ai commencé à entrer dans l'université pour apprendre la langue. Quand j'ai pris un cours qui est pour avec la grammaire espagnole, là, et puis après, toute façon, nous capable d'utiliser ça, qu'on a dit, waouh, regardez, il y a des qu'on a commettre non. C'est pour ça, pour nous partager un bagage avec nous, nous capable voilà, dans le, bon, c'est le moyen de commettre erreur. Le pourcentage de crédibilité dans son partage qui est déjà haut. Parce que ça m'a fait un bon mail. Pas oublier que j'ai plus de belles courses sur YouTube toujours. Pas oublier que j'ai un TikTok. Quelqu'un qui est sur YouTube, ça va regarder là. Je vais mener directement dans la chaîne YouTube. Moi, hein. Et là, moi, j'ai un plus de belles courses. Parce que comme j'ai fait déjà, je ne vais pas sur TikTok. C'est seulement sur YouTube que j'ai joué. Restez connectés avec nous. J'ai une bonne nouvelle pour nous dans la prochaine vidéo. On va le faire dans ces semaines-là. Je vais nous parler content et nous demander pour les pile tout. Abonnez-vous à la chaîne de tout le monde sur TikTok. Quittez un commentaire. Faites-moi connaître est-ce que nous aimons tout ça. Qu'est-ce que nous pensons de Koumio? Est-ce que nous aimons? Et puis, like, partagez avec nos amis parce que nous voulons grandir la famille. N'après, dans la prochaine vidéo.